Et salut tout le monde, c'est Diablo. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 19 de Need for Speed. On va affronter directement Jewel, numéro 8 de la liste noire. Un sprint et un drag, c'est parti, Mustang contre Mustang. J'espère que la mienne va gagner. 4. En tout cas j'aime bien son kit large, mais je préfère le mien quand même. C'est parti. Ok, meilleur démarrage que moi. Ça commence mal. Mais bon. On est qu'au début. Hein. Il faut que je rattrape là. J'ai un peu de mal là, il faudrait que j'arrive à la rattraper. Allez, je fais le bâtard. Ouais. Ça n'a pas marché. Et je crois bien que je vais devoir recommencer. Ça sent les pieds. Volontairement ou pas. Hop, je passe devant. Oh, faut pas que je faille là. C'était chaud. Hein. On a dominé tout le long de la course, mais il a fallu qu'elle se plante un peu. Je sais pas trop ce qu'elle a fait. Et je suis passé devant. Alors le drag. J'espère le faire d'une seule traite. C'est parti. Et voilà,
Enfin, plus simple le sprint, hein. 20 000, ça fait pas mal, ça fait zir. Voilà, on a fini. Bon, ça a été rapide cette fois, hein, par rapport à heure là où j'ai galéré. Encore, j'ai eu du pot, hein, parce que. On va prendre au milieu. Et j'ai de la chance ou pas là? Ah, c'est plus que de la chance, c'est pas possible. J'ai gagné sa voiture. Bon. Allez, numéro 7. Case. Je viens pas d'elle. Pas du tout de celle-là. Ouais, salut, c'est Ronnie. Alors... Blablabla, on s'en fout. Et Ronnie, je crois qu'on l'affronte. C'est plusieurs fois qu'on l'affronte en course normale, et à chaque fois on lui met une tollée. Donc Ok, les pneus et les freins. Ultima. Attention, ça rigole plus. Voilà. Et tant qu'à faire, on va changer un petit peu le look de la Ford. Ouais, passer pour le kit. Nouveau spoiler. Va mettre celui-là. Et pour le capot. Mettre ça comme ça, voilà. Allez, peut-être une nouvelle couleur aussi, tant qu'à faire. Je vais la mettre en noir. En blanc, voilà. C'est pas mal comme ça. On va faire un nouveau compteur aussi, tant qu'à faire. Voilà. Allez. Je propose qu'on enchaîne avec les classiques radars. Ça va, y a moins de courses, j'ai l'impression. Il y en a combien? Ah, quand même, si, ouais. Il y en a 10 quand même. Bon. 255, 230. On va faire les plus courts déjà. Bon, on est sûr d'aller assez vite.
passer 230. Blablabla. C'est que des trucs que je sais, hein. Barrage routier, je sais qu'il faut te foncer dans le coffre et non sur le moteur. Parce que c'est le plus lourd, forcément. Ça ralentit. Et en plus il y a les flics, super. Bon. De toute façon, faut que je réchappe. Excès de vitesse, le suspect est en vue, je me lance à ses trousses. Fermez les gaz. Ah, attendez! Envoyez du renfort, il faut neutraliser ce type avant qu'il blesse quelqu'un. 10-4, un écho 24. J'ai des unités au sol qui se libèrent pour intervenir. Moins de 3 minutes, il faut aller, je sais pas, c'est nickel de toute façon. Verrouillez la route, je serai perdu. Du coup, on va pas dans la vie. Le suspect a été vu pour la dernière fois en direction du nord, à hauteur du River Front Stadium. Le responsable confirme le verrouillage du secteur. Toutes les unités initialisent leur GPS et envoient leurs infos. Attendez-vous en voilà, j'ai un défi de fait. C'est nickel. Le 5-1 vous libère pour intervenir. Veuillez quitter la zone. Ah, c'est 250, faut que j'aille. Allez, allez, allez. Trop lent. Bon, pas grave, hein, je retenterai plus tard. Allez, on va faire encore 2-3 courses, puis je vous laisserai là pour cet épisode. On fait les péages, hein, de toute façon, c'est les plus chiants et les plus simples en même temps. Donc, petit à petit on y arrive, hein, on y arrive. C'est-à-dire que ça fait quoi? Ça fait une semaine que j'ai relancé le let's play. On a déjà pas mal avancé, hein. On est à plus de la moitié là, je pense. Bon, disons la moitié parce qu'il y en a 15. On est au 7. On a quand même 10 courses à faire, donc je vais vous laisser. Je vais couper. Disons que je vais faire 2 épisodes au lieu de 1 sur les courses. Et en parallèle, je vais faire une petite poursuite aussi. Comme ça. Ça changera un peu. Là, j'aurais pu prendre raccourci. Il y a un petit bug là. Il y a un compil, il y a marqué 0% alors qu'on est au deuxième. Péage. Allez, dépêche-toi, ça c'est parce que j'ai perdu le raccourci. En 5% d'un coup. Sinon je m'en souviens plus du tout là, le numéro 7. La CLK GT, ça me dit rien du tout. Enfin la CLK 550. Même si je me souviens avoir déjà utilisé cette voiture dans un précédent. Lorsque j'avais fait le jeu pour la première ou deuxième fois, je ne me rappelle plus. D'ailleurs elle marchait pas mal la Mercedes. Je vais peut-être la prendre, je sais pas, j'hésite. Hein. Vous pouvez aussi me le dire, hein, si vous avez une voiture en préférence.
J'avais fait en vidéo, je crois, j'avais fait le tour du concessionnaire il y a 2-3 épisodes. Montrer un petit peu ce qu'il y avait. Moi, je suis plus prêt pour prendre une petite Gallardo ou une... peut-être la Ford GT, on sait pas. Je sais pas. Bon, ça c'est dans les dernières voitures disponibles. Je crois que la dernière c'est la Carrera GT. Donc... ça c'est après avoir affronté le quatrième, je crois, ou le troisième. Donc on n'y est pas encore. Je crois qu'on a débloqué la Corvette. De mémoire, je crois qu'il y a la Corvette et une autre voiture. Peut-être la... la SLR. Enfin bref, 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 bref. Allez, on finit. On a fait carrément tout le tour de la... tout le tour du cerf, de la map, pratiquement. Blablabla, Azor. T'inquiète pas, j'arrive bientôt. Il y a encore... encore un péage. Voilà. Un petit souci au niveau des rapports. Pas du tout de circulation, c'est nickel. C'est un peu vieux sans musique, hein, mais je préférais l'enlever parce que je suis encore mangé un droit de tête sur l'épisode précédent. Enfin, l'épisode 16. Bon, je préfère désactiver maintenant. Sinon, vous avez entendu. Je bug. Je voulais dire, vous avez certainement entendu des dizaines de fois les musiques du jeu. C'est pas une grande perte. Là j'avoue que mes Mustangs ressortent pas mal à celle de Razor. Mais bon, j'aime bien les Ford Mustang, donc je me suis pas privé. Hop. Allez, dernier péage. Encore 15%, 45 secondes. Voilà. Allez, j'en fais encore une dernière.
Là, pour éviter de vous faire un peu. Non, je vais pas mettre celle-là parce qu'il y a maxi. Il y a un petit circuit. Bon, ça, il court celui-là. Dans Rockport. Oula. Là, c'est du 1v1. Ok. Non, même pas non. Ils sont où les autres? Ah, c'est derrière. Là, le dessus, c'est un peu bizarre. Le kit, j'aime pas trop. Bon, par contre, pousser, si elle pouvait éviter. Bon, on est dans la catégorie des grands. Hein. Lotus, Porsche. Je crois que derrière c'est Mitsubishi. Subaru, je sais plus. Je vois pas très bien. Ah non, c'est une Fiat. Bizarre de mettre une Fiat Punto dans un Nissan Speed quand même. Donc je doute que beaucoup de monde l'ait pris à la sortie du jeu. Honnêtement, j'avais pris la Lexus. D'ailleurs, je l'ai pris pour le let's play. Par nostalgie d'ailleurs. Donc si vous avez Underground 2, je crois que vous avez un bonus pour avoir la Golf directement dès le début du jeu. Qu'il y avait comme autre voiture. Je crois qu'il y avait la Cobalt aussi là. Je suis allé. Bon, je suis un peu n'importe quoi. Heureusement, il y a 3 tours. J'ai un peu de mal à les distancer. J'avoue aussi la Porsche, c'est pas mal à prendre aussi. Bon, ça c'est bien que vous me lâchiez maintenant là. On est au dernier tour. C'est pas possible. Bon, foiré. C'est pas possible ça. Et moi je fais pas ça. Bon. J'y rattrape, là que j'ai les doubles. C'est un peu râpé hein. Bon là c'est un échec. Bon tant pis, je vais m'arrêter là pour cet épisode. À la limite je le ferai en off cette course. Et je vous dis à la prochaine, c'était Diablo. Salut!